Et je me souviens d'un mec, ça faisait longtemps. Comment? Si vous vous dites que quelqu'un, on va à la salle, c'est plutôt on va à la salle de sport, quoi. Ouais, c'est ça. Bah aujourd'hui, oui, c'est ça. Et puis moi, je me souviens d'un frère de l'église, hein, qui témoigne et qui dit ouais, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à la salle, ça m'a fait du bien, tu vois. Puis, mais tu dis, mais c'est quoi ce mot, la salle? Mais c'est le vocabulaire, le culte. Nous, j'aime bien utiliser le mot célébration. Je trouve qu'il est plus positif. J'ai l'impression que c'est Ouais. devenu un peu un consensus. Réunion. Ouais, La les réunion. réunions, mais c'est plus œcuménique, culte versus messe, célébration, ouais. c'est pile au Après, tu vois, il y a milieu, des c'est églises bien. comme la chapelle qui assument complètement le côté c'est la messe, quoi. Ben, ils utilisent très souvent célébration, de temps en Ouais. temps ils disent messe dans leur com public, C'est justement. ça, ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien aussi ouais, utiliser un petit peu du vocabulaire qui est compris en fait par un large public. Enfin, Ouais. dans mes vidéos, j'essaye de temps en temps, plutôt que de parler des pasteurs, j'utilise les pasteurs ou les prêtres, tu vois, histoire qu'on comprenne de quel type de personne on parle en fait. Ouais. Enfin, je pense que pasteur, les gens quand même voient un peu de quoi on parle. Quand on dit pasteur, non? Bah, c'est un peu exotique, hein, le terme pasteur, tu vois. Enfin, encore qu'aujourd'hui, ça change un petit peu parce que on se tape des tripotés qu'on appelle ça des missions sur les évangéliques qui vont tuer la France. Mais en vrai, il y a 5 ans, il y a 5 ou 6 ans, le mot pasteur, c'était un peu ah ouais, t'es pasteur, ça veut dire quoi? Ah ouais, c'est quoi ça, pasteur? Moi, la référence que j'ai vraiment, c'était 7 à la maison. Moi, Oui, bah voilà, c'est ça, tu vois. En plus, paye ta référence, quoi. Enfin, je sais pas si tu te souviens vraiment de ce que c'était que cette à la maison, mais c'était un Non. carnage, hein, cette. Ah bon? Ah bah ouais, mais alors les mœurs là-dedans, c'était catastrophique, hein. Y a pas un gamin pour rattraper l'autre. Enfin, c'était à la maison, c'était royal, quoi. Enfin. On a alors il y a une proposition d'un mot, je pense que ça va être intéressant, c'est le monde. Ah ouais, le monde. Ah merde, Ça, rien. c'est bon, ça. Ah, c'est. Oh. Si, essaye l'expression le monde. En fait, pas juste monde, c'est le monde. Je crois J'ai qu'il y discuté a. le monde, mais je trouve pas. Le Bah. mondain. Mais c'est Un bizarre parce mondain. que en fait, Mondain, c'est quelque chose. avant Voire il y monde. était. Moi, je me souviens l'avoir lu. Ah ouais? Ouais. Bon, et mauvaise foi, il va falloir que travailler là. On va relancer ce site Wikicanaon. Je sais pas. On va le pirater. Je cherche. Voilà. Aller dans le monde, l'esprit du monde. Ah, dans le monde. Mais dans les prédications, on l'utilise. Non mais essaye de mettre un cache ou. Ah ou alors, attends, est-ce que t'es sûr que c'est pas le navigateur qui. Et quoi? Bah je sais pas, ton navigateur qui. J'ai rien. Non, j'ai rien. C'est bizarre, parce que ça je l'ai déjà entendu. Il me dit 18 occurrences retrouvées, mais. Ça, je suis triste parce que y avait un article, puis ils insistaient beaucoup sur le côté le monde, tu sais. Il y avait tout un paragraphe justement sur la façon de le prononcer, tu vois. Il fallait le prononcer, c'est le monde, tu vois, comme si c'était un truc. Bon, attends, alors vas-y, dis-nous au moins ce dont tu te rappelles. Bah, en gros, ils expliquent que le monde fait référence à la société moderne, contemporaine, avec ses dérives des mœurs, ses compagnies, et qu'en général, les pasteurs invitaient les chrétiens à ne pas aller dans le monde de peur de se faire. Enfin, tu vois, c'était vraiment satirique à ce point-là, quoi. C'était le monde est vu comme quelque chose. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les prédications, j'essaye. Alors, j'y arrive pas toujours, mais de changer ce mot par le monde en disant la société actuelle. Parce qu'en Ouais. fait, enfin, oui, alors pour le coup, l'expression de le monde existe dans la Bible et elle est très employée pour parler justement de la société moderne et des choses comme ça. Mais Ah, c'est parler intéressant du. d'ailleurs parce que le monde, tu vois, enfin, pour moi, en fait, j'ai l'impression que le monde, c'est pour moi le verset biblique, pour moi qui encapsule le mieux la manière dont on utilise cette expression du monde, le Ouais, monde qui, ne conformez pas au monde actuel. c'est ça, c'est ça. Au siècle présent, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a un peu cette idée-là de, tu vois, Il convaincra le monde. Tu n'aimez disais pas le juste ça. monde ni ce qui est dans le Ouais, monde. Si n'aimez quelqu'un pas aime le monde, le alors ne regardez monde. pas en lui. Ouais.
Ouais. Non, mais elle est hyper présente. Hein. L'expression « le monde » est extrêmement présente. Mais en fait, ce qui fait vraiment bizarre, c'est l'aspect, il y a le monde et il y a les chrétiens, tu vois. Il y a vraiment le côté, il y a les ténèbres, il y a la lumière, nous sommes les lumières, tu vois, et il ne faut pas aller dans le monde. Puis souvent, on dit aux jeunes, on prend le texte de Daniel, tu sais, qui est résolu de ne pas se souiller des mets du roi, tu sais, et puis on encourage les jeunes à ne surtout pas se conformer au siècle présent et ne pas aimer le monde, et tu vois, et puis le monde, toujours en insistant très fort, tu sais. Puis après, quand tu regardes la vie de Daniel, ben en fait, Daniel, il a été quand même vachement impactant dans le monde en prenant des postes et des places qui étaient quand même vachement, vachement intéressantes, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une expression du vide. Donc, l'idée de la question du monde, elle n'est pas complètement hors sujet, tu vois, si tu parles de la Bible. Maintenant, la question, pour moi, c'est intéressant, et je pose la question à tous les deux, je nous pose la question à nous tous, quoi. C'est pour vous, quelle est la mauvaise manière de comprendre et d'utiliser ce concept de monde, et le concept de le monde, et quelle serait la bonne manière d'utiliser ce concept? Car c'est très strict. Tout le travail, c'est pas dans le monde, tu as le droit de travailler n'importe où. Par contre, toute la musique, c'est dans le monde, tu n'as pas le droit d'écouter n'importe quoi. Ouais, c'est ça, mais. Dans la musique. C'est ça, tu es dans cette notion du. Tu vois, la musique du monde, un film du monde, c'est tout ce qui est profane, en fait, qui est non clérical ou non. Ouais. Moi, je supporte pas, en fait, cette expression, la notion de confronter comme ça le monde. En fait, tu vois, Jésus va dire, je ne vous enlève pas du monde, en fait, vous faites toujours partie du monde. Les chrétiens font toujours partie du monde, en fait, globalement. On fait partie du monde. Et à mon sens, on devrait jamais opposer les chrétiens au monde. En fait, on est dans le monde et on est juste là pour briller dans le monde. Et le problème d'utiliser cette expression en disant c'est le monde, c'est qu'on l'oppose. Donc c'est que d'un côté il y a le monde et de l'autre côté il y a les chrétiens. Et donc du coup il y a un mur de séparation entre ces deux mondes entre guillemets. Et puis en fait il y a plus de pont en fait. Il y a plus de moyen d'atteindre. Pour les chrétiens, le fait de dire il y a la musique du monde, enfin, il y a plus de moyens d'atteindre les gens parce qu'on fait. Et pour moi, c'est surtout que c'est moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est l'idée, c'est l'esprit du monde, tu vois. Et pour moi, l'esprit du monde, pour moi, c'est juste ce qui n'est pas de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais ce qui est profane, quoi. Le problème avec cette distinction, par exemple, comme tu peux faire sur les musiques mondaines, les musiques qui sont pas mondaines et les musiques mondaines, c'est qu'en fait, ça laisse entendre qu'il y a une séparation nette et que nous, on n'est pas le monde et que eux, il y a le monde. Alors qu'en fait, comme tu dis, le monde, il est aussi en nous, en fait, et que on peut faire des musiques de louange qui sont imprégnées qui sont de l'esprit du monde, c'est ce que je veux dire. Ouais. Je vais faire un petit peu de pub pour un pote. Quand une musique du monde, il y a une omniprésence du jeu, du moi, de moi, de moi, de jeu, de moi, de moi, de jeu. Ben en fait, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque part quelque chose de l'ordre de l'influence du monde là-dedans? Je vais faire un promo dans une formation de louange de Quentin Netto qui est excellente, qui s'appelle Format Loup. Et en fait, il explique que la dernière fois que des chrétiens ont inventé un style musical, ça remonte au gospel. Au négro spirituel, tu vois, ça commence à dater, quoi, tu vois, et il dit aujourd'hui, en fait, les chrétiens n'ont plus aucun impact sur le monde, même dans l'influence culturelle et dans l'influence de la. Il dit, pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis une barrière entre le monde et la chrétienté, quoi. Là-dessus, t'as un truc intéressant, je pense qu'on en a parlé, enfin, moi, encore une fois, ça me passionne pas. Mais une fois, t'avais une idée de poste, genre, pourquoi les chrétiens font-ils de la musique de merde? En fait, la question, c'est. Ouais. Je pense que là, c'est pas tout à fait un truc, mais je pense qu'il y a, plusieurs questions. C'est globalement aujourd'hui, est-ce que la musique chrétienne, quand tu regardes aujourd'hui le catalogue de musique chrétienne, t'as pas énormément de musique, il n'y a rien qui est vraiment qui révolutionne la musique, ou tu vois, ouais. Et moi j'ai plusieurs. Enfin, j'ai plusieurs positions, pas plusieurs théories là-dessus, enfin plusieurs voilà, hypothèses. Et pour moi, la première, c'est que
c'est qu'en fait, comme on a le gros de notre production musique, bah déjà, la première hypothèse, c'est que la musique, d'une manière générale, même quand tu regardes dans le monde, en réalité, il y a une production incroyable de trucs moyens, mauvais, et quelques trucs qui sortent du lot. Donc, forcément, en gros, il faut produire énormément de merde pour avoir de temps en temps un truc, ça veut dire, ah, génial, qui sort. C'est la production en masse qui permet de... Un peu comme nos posts Instagram. Non, je rigole. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut produire énormément. Enfin, c'est un peu normal qu'il y ait beaucoup, que la majorité, ce soit les trucs exceptionnels et que bah, sinon, tous les autres, c'est les gens qui essayent de faire quelque chose de bien et qui, en réalité, font un truc moyen. Tu vois ce que je veux dire. C'est normal. Ouais. Il est plus petit encore que le reste. Et ben, c'est encore, entre guillemets, il y a moins d'occasions de générer des trucs. Ouais, puis après, je pense qu'aussi, il y a la volonté aussi de la part des compositeurs, tout ça aussi, de composer des chants qui vont atteindre le maximum de chrétiens, en fait. Donc, et aujourd'hui, les chrétiens, bah, il faut pas se leurrer, hein, ils écoutent pas que de la musique de louange. Bon, il y en a, hein, mais en général, ils vont aller taper dans du Muse, du Coldplay, des trucs un peu. Ou même certains vont aller écouter PNL et tout ça. Et moi, je serais même pas étonné. Enfin, d'ailleurs, je crois que ça existe. C'est Aurélien Fortin qui fait beaucoup ça, de sortir des rappeurs et des mecs qui te font un peu des prods comme PNL et compagnie. Bon, moi, c'est pas un domaine que j'écoute parce que c'est pas globalement mon truc. Mais voilà. Et moi, je suis pas étonné. Je serais pas étonné que dans 3-4 ans, on ait des chrétiens qui fassent du PNL ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Bah, disons qu'il y en a qui essayent, mais le problème, c'est que comme la musique chrétienne, enfin, le problème, c'est qu'on a une grande intransigeance à faire des gens qui font de la musique qui est un peu entre les deux, tu vois, qui font de la musique. Par exemple, quelqu'un qui sortira un album, où il a certaines chansons où c'est assez orientation chrétienne et d'autres qui sont pas du tout orientées chrétiens. En tout cas, qui ont pas, en soi, ça parle pas de Jésus directement dedans, tu vois, ça peut être imprégné d'une culture chrétienne. Mmh. Et ben en fait ça pourrait être mal vu, tu vois. Donc en fait, mais c'est mal vu, hein. Ça existe déjà. Pousse nos artistes en fait à faire un choix, soit à sortir complètement du monde chrétien. Et d'ailleurs, par exemple, des gens comme Coldplay, par exemple, ils ont quand même une culture chrétienne derrière. C'est quand même, alors c'est pas forcément des chrétiens évangéliques qui plairaient à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le sens, c'est des gens qui ont une spiritualité et ça se sent dans leurs paroles et dans leurs interviews, tu vois. C'était pas Evanescence aussi qui était un petit peu dans ce mood-là? De souvenirs, j'en avais entendu parler. Alors ça, Evanescence, ça date peut-être pas Evanescence, mais il y a Korn aussi, par exemple. Evanescence, c'est un groupe, mais Amélie, qui est la chanteuse d'Evanescence, elle a été leader, enfin elle a chanté dans les églises auparavant. Après pour ce qui est de sa démarche au sein du groupe Evanescence, j'en sais rien, mais en tout cas, je veux dire, c'est que des groupes qui ont un positionnement un peu spirituel, même YouTube pour tout, tu vois, quand tu écoutes King Ford de YouTube, et ben il y a un peu, tu sens qu'il y a une recherche spirituelle et trucs. Donc c'est pas forcément des chrétiens au sens, encore une fois, au sens chrétien évangélique, mais tu vois, enfin bref, il y a des gens qui peuvent avoir ce positionnement, tu vois, où ils ont une approche spirituelle des choses, mais ils ne l'ont pas exclusivement. Ce que nous on demande à nos artistes d'avoir une position qui est exclusive, c'est que ça les oblige en fait à s'enfermer dans un marché qui est très restreint, en fait, parce que le marché des églises évangéliques en France, ben, c'est pas avec ça que tu vas faire force. Non, bah, et puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'est né, par exemple, les projets comme Top Music, là, tu sais, une application en fait pour rémunérer les artistes chrétiens, parce qu'en fait, ils expliquent, bah, aujourd'hui, tu veux sortir un album quand t'es chrétien, donc tu dois te charger toute la prod, les machins, là, tout ça, puis tu vends plus de CD, ça existe plus d'acheter des CD, donc il faut les mettre à disposition sur les réseaux de streaming. Mais les réseaux de streaming, ça paye pas. Enfin, Spotify, c'était pas écouté 1000 fois, fois, je crois que c'est 1 euro, un truc comme ça. Il faut être écouté des millions et des millions de fois pour être rémunéré à minima sur Spotify. Bah, en fait, il y a plein d'artistes chrétiens qui expliquent, mais aujourd'hui, être artiste chrétien, pourquoi est-ce que tout le monde se lance à faire des chaînes YouTube et des formations de louanges en ligne et compagnie? Bah, c'est parce qu'en fait, la musique chrétienne ne rémunère plus, hein. Mais je suis pas sûr. En fait, je pense que le débat est super intéressant, puis on pourrait aller très loin, mais c'est beaucoup plus global que ça. C'est la musique et la rémunération dans la musique, déjà, c'est un problème mondial, quoi. À moins que tu sois Coldplay ou Katy Perry, d'argent avec la musique, quoi. Tu fais de l'argent, soit tu passes par une major, soit tu vends produits dérivés à côté. Le problème dans le monde chrétien, c'est que tu as beaucoup la notion du gratuit.
Tu vois, t'es un groupe pas chrétien, un groupe païen, tu vois, tu fais de la musique, machin. Tu fais un concert, tu fais payer ton billet d'entrée 5 ou 10 euros, c'est normal, en fait, dans la tête des gens, d'aller payer un billet d'entrée pour faire aller voir un concert, quoi. Demander à un chrétien de payer 10 balles pour aller regarder d'aller assister à un concert, une soirée de louange avec des artistes pros, des mecs, tu vois, qui bossent, et tout ça, laisse tomber, il n'y a personne qui va. Ah bah non, quand même, vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement, enfin tu vois, et tout de suite on va brandir les grands versets. Je suis même pas sûr que ça soit le... Tu vois, je pense qu'il y a... Enfin, la question, elle est complexe, mais la musique en général n'évolue que très peu. Elle s'adapte beaucoup à son marché, ce qui fait que les grands fleurons de la musique, les gros... Mmh. Font quasiment tous la même chose, et puis se copient et innovent très peu. Il faut aller voir vraiment des tout petits artistes pour voir de l'innovation. Tu en as aussi dans le milieu chrétien avec des tout petits artistes. Donc, la question de l'innovation musicale, elle est. Je pense que tu pourrais faire le même procès aux chrétiens et aux non-chrétiens. Il y a des problèmes thématiques qui sont spécifiques au milieu chrétien qui la rendent encore plus difficile. Et pour moi, un autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui, si tu vas avoir une chance, parce que même sans parler du monde francophone, tu parlais du milieu anglophone. En fait, dans le milieu anglophone, genre, le meilleur moyen de percer, c'est d'écrire des chants qui vont être chantés en assemblée. Ouais. Ouais. Et en fait, les chants peuvent être chantés en assemblée. Bah, mine de rien, c'est une méchante contrainte, en fait, créativement. C'est-à-dire que tu peux pas avec trop de folie au niveau musical, au niveau des trucs, au niveau du rythme des paroles. Mais non, ça met une contrainte énorme sur la musique qui, en fait, formate énormément, tu vois. Tu peux pas te permettre d'insérer du rap, par exemple, au plein milieu de ton morceau. Tu dois faire quelque chose qui doit coller à peu près à tout le monde en termes de. Donc, forcément, en fait, tu te retrouves. Pour moi, c'est ce critère-là, principalement, qui cadre le monde chrétien et qui, en fait, le formate et qui fait qu'on fait que de la musique moyenne, de la pop moyenne. Pour le congrégationnel. Mais le congrégationnel aussi, c'est pas forcément fait pour être de la bonne musique. C'est fait pour servir un propos pendant une assemblée, c'est pas un concert où on va faire du jazz et puis faire une démonstration. Enfin, aujourd'hui, on le conçoit pas comme ça dans nos assemblées. On pourrait très bien partir une église où c'est des jazzmen devant qui font du pur impro freestyle avec un rappeur et je suis pas sûr que les gens viendraient à l'église pour louer Dieu. Puis tu vois, c'est plus du congrès. Enfin, ça pose une autre question. Bon, pourquoi pas hein. Pour le vivre un peu en interne sur la musique, ce qui n'était pas du tout le débat à la base, mais pour le vivre en interne, clairement, dès que tu sors un petit peu des chemins battus, t'es obligé de ramener les gens un petit peu à la raison. Dans notre église, c'est des bénévoles, en général, qui sont amateurs dans leur instrument, alors tu ne vas pas aller leur demander de te faire une composition de jazz en utilisant tous les modes de la gamme et puis d'aller faire tout ça avec ta guitare, tu vois, et c'est pas possible en fait. Et il y a énormément de musiciens qui sont extrêmement frustrés dans l'église parce que leurs talents musicaux ils sont utilisés à 3%. Ouais, si t'as les deux. C'est rigolo la séparation entre la musique et la musique du monde et la musique chrétienne. J'avais suivi un débat avec Sébastien Korn et d'autres intervenants qui parlaient de ça, de la dimension, enfin du rapport des chrétiens à la musique. Sébastien Korn, c'est le leader du groupe Impact. Qui est aussi pasteur à la chapelle. Qui est maintenant pasteur créatif à la chapelle. Pasteur créatif. Et donc le truc qu'il disait, c'était, ça remonte en fait au protestantisme. Que les catholiques, pendant très longtemps, l'Église catholique, c'était le plus haut lieu de création artistique. Si tu voulais un très bon artiste, tu allais à l'Église catholique, parce que c'est là que tu avais les meilleurs peintres, les meilleurs écrivains de musique. Toute la musique, c'était de la musique chrétienne catholique. Forcément, c'est les meilleurs chanteurs, c'était des chanteurs de l'Église catholique. Puis avec l'apparition des protestants, d'un coup, on se rend compte qu'il y a une espèce d'adoration de la création plus que du... C'est plus dans le clash entre les protestants et les catholiques, tu as aussi ce clash entre le rapport qu'on a à l'art. Et d'un coup, les protestants se disent l'art ne doit être qu'au service. Et donc, à partir de là, en fait, un protestant, typiquement, il ne faut surtout pas faire du beau dans une église, quoi.
Et tu as un peu ce côté-là qui apparaît. Et puis nous, en tant que protestants, on vient aussi avec cette espèce de bagage-là, là où les catholiques sont souvent moins coincés vis-à-vis de ça, même s'ils n'écoutent pas tous du PNL. Ouais, non. Heureusement, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse produire, parce que je pense qu'il y a plein d'artistes chrétiens qui auront envie d'être libérés un petit peu dans leur créativité. Le problème, c'est qu'on les enferme juste à faire de la musique, justement, liturgique, quoi. Et la discussion, elle est at large. Il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient faire de l'art. Et puis, justement, cette distinction, pour moi, c'est pour revenir même sur cette expression « le monde », pour moi, le problème, c'est justement c'est qu'elle tue ce côté où on doit choisir un camp, tu vois. Soit je fais de la musique à 100%, soit je fais de la musique, qui parle au monde, et dans ce cas-là, je suis perdu et je suis mal, tu vois. Et pour moi, permettre à des artistes chrétiens, tu veux dire, et même leur donner les moyens, tu vois, de faire de la musique entre guillemets mainstream, mais imprégnée d'une culture chrétienne, tu veux dire, et ben pour moi, ça ce serait génial, tu vois. Mais le problème, c'est que cette conception, cette mentalité, genre le monde, tu vois, le monde là-bas et nous qui ne sommes pas le monde, tu vois, et ben pour moi, ça crée ça, quoi. Il y a cette conséquence là dont on a parlé sur la musique, par exemple, et peut-être sur d'autres choses, hein, on pourrait produire des films, des trucs, enfin, toute la production artistique. T'as déjà regardé Pureflix? Pardon, on fera le débat la semaine. voilà, c'est typiquement le monde. Quand tu vas aux États-Unis, c'est ça poussé à la caricature, tu vois. Tu vas dans des églises, dans des boutiques chrétiennes où t'as des Barbie chrétiennes, des trucs. Parce qu'il faut surtout pas avoir des Barbie, c'est le monde. J'exagère pas, hein. Concrètement, ce que j'ai vu, hein. C'est-à-dire que tu vas dans des églises, ils te vendent tout. D'ailleurs, me raconter cette anecdote où en fait, il y avait une chaîne de trucs chrétiens qui avait créé des jouets avec des personnages de la Bible. Tu vois, et donc, ils avaient créé Moïse, ils avaient créé Jésus. Yes, la panoplie, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'ils avaient créé des figurines comme des Action Man, tu vois. Sauf qu'ils n'avaient pas créé de méchants, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que les enfants, ils se mettaient à faire se taper dessus les personnages. Moïse contre Gédéon. Ils demandaient à la police, Jésus qui faisait. Excellent. Noé qui envoie son arche sur Moïse pour le détruire, tu sais. Le joueur du grenier, tu sais, il faisait un truc comme ça sur les jouets pour les plus. Il fait Moïse la plus grande des Hébreux. Je m'en souviens. Avec ces tables de la loi. Je vais ouvrir ta mère en deux. C'est le point non-retour de la soirée. Ok. Bref. Et donc, pour moi, il y a ce problème-là. Il y a ce problème de créer un truc où tu tues la créativité parce que vous faites absolument des trucs 100% chrétiens, quoi. Et pour moi, l'autre problème, c'est qu'en faisant cette séparation, on n'est plus du tout dans la réflexion de le monde en nous, tu vois ce que je veux dire. Et que le monde, avant tout, c'est pas... Encore une fois, il y a une pensée un peu, superstitieuse, tu vois, où le monde, c'est quelque chose de physique, tu vois. Le monde, c'est des... ou c'est un truc où c'est... Alors que le monde, en fait, bah, c'est un état d'esprit, tu vois. C'est ce qu'on est en nous. Mm-hmm. En soi, d'ailleurs, tout le contexte... Par opposition, on a tendance à dire « Ah ben, si le monde le fait, ça veut dire que c'est mal. Faut pas qu'on fasse comme le monde. » Tu vois, si le monde commence à dire aime ton prochain, ah ben on veut pas dire aime ton prochain. Il faut être différent du monde. Le monde il dit aime ton prochain, donc nous on veut pas dire. En fait, moi ça me fait penser au verset. Je sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'ai manqué le début de ce truc-là, mais c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Ouais, mais c'est tout le démarrage du truc. Mais justement, l'apôtre Paul quand il dit ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu lis tout le contexte de ce verset-là, je crois que c'est dans les Romains. En fait, il parle jamais de lifestyle. Tu vois, il parle jamais de tatouage, de boisson, de machin. Il te parle que d'état d'esprit, tu vois, il te parle de l'orgueil, il te parle de la médisance, il te parle du jugement, de, tu vois, c'est clairement, il vient, ouais, de convoitise, c'est-à-dire qu'il va, il va aller chercher. Un genre d'eux, c'est convoitise. En plus, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce truc-là, dans ce passage-là, tu vois, c'est que souvent, on l'interprète, en fait, que je bascule complètement un peu hors thème, mais je trouve déjà, ça colle un peu avec le monde, parce que, souvent, on l'applique, tu sais, en disant, genre, tu sais, ne vous conformez pas à ce siècle présent, sous-entendu, il faut pas se conformer à ce que fait le monde, du coup. Et donc, par principe, faut faire autre chose, tu vois ce que je veux dire? Si tu vois, donc par principe, il faut que le monde en se basant sur ce verset-là, tu vois. Alors déjà, enfin, moi, ça me... Tu vois, et comme tu dis, je trouve que ça n'a aucun sens ni théologique. Mais en plus, c'est stupide, comme tu dis, quoi. C'est-à-dire que demain,
je sais pas moi, comme tu dis, genre, demain le monde se dit il faut qu'on aime notre prochain, non, non, tu vois, genre, il faut pas qu'on se conforme au siècle présent, et tu vois, Paul, donc surtout à ton prochain, tu vois. Mais tu vois, cette idée qu'il faut par principe qu'on soit opposé au monde. Alors après, moi, ce sont trop de et surtout qu'on oublie que le christianisme, il y a eu un impact sur le monde. C'est-à-dire que, en fait, on est 2000 ans après Paul. Inversement. Pardon, quoi. D'ailleurs, inversement, le monde a eu un impact sur le christianisme. Qui oui, bon. Mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire pas là, c'est que, en soi, le message de l'évangile, ben, enfin, aujourd'hui, nos sociétés, on parle. Pour des chrétiens qui réclament à chaque fois qu'on parle de mariage pour tous, mais les valeurs chrétiennes, tu vois, les racines chrétiennes de la France, tu vois, bah, oui, mais d'accord, mais donc t'es bien d'accord, donc le christianisme a infusé dans la société en fait en 2000 ans d'histoire. Donc en fait, on peut plus tout à fait dire aujourd'hui que l'évangile a pas eu un impact sur le monde. Et donc en soi, il faut aussi qu'on soit conscient de ça. On se bat pour que les valeurs de l'évangile, elles infusent dans le monde. Bah, il faut bien un jour qu'on prenne acte que le monde, il est en partie influencé par l'évangile. Oui. Ouais, et puis il faut aussi accepter que pour avoir une influence, il faut aussi un petit peu se calquer, mais en fait entre guillemets accepter les codes entre guillemets du monde et accepter les fonctionnements, les principes. Enfin, tu vois, on le dit tout le temps à la PEP, hein, mais clairement, t'attires pas les mouches avec du vinaigre, quoi. Tu vois, à un moment, les gens, ils sont habitués à écouter du Coldplay, du Muse et compagnie dans leurs oreilles à longueur de journée, puis elles rentrent dans l'église, puis elles entendent de la valse et de la musette, quoi. Bah non, en fait, ça colle pas. C'est pas comme ça que tu vas avoir une influence quelconque. Donc, ouais, c'est pour moi. Alors, je suis pas qu'à être étalé en histoire, je vais éviter de faire des torts, mais j'ai quand même l'impression que sur un tas de sujets, moi je remercie le monde, on va dire, ou la société, de nous avoir montré des angles morts dans notre théologie. Je pense à des grands. Moi je me souviens, peut-être je l'ai déjà dit dans un live, mais moi je me souviens d'un livre qui m'avait profondément marqué quand j'étais à l'école biblique. On m'avait fait lire un livre qui s'appelle La cabane de l'oncle Tom, et c'est des esclavagistes qui défendent Bible en main que l'esclavage c'est génial. Et genre, moi, je remercie, tu vois, l'avancée de la société, tu vois, qui nous a permis, tu vois, de tuer Saint-Joseph, tu vois. J'arrive à se rendre compte aujourd'hui que c'était une folie théologique, une folie humaine, une folie, tu vois, que c'était une folie dans tous les sens. Et je pense, des fois aussi, on a un regard tellement négatif sur ce qui peut se passer dans notre société qu'on imagine que la société n'a rien de bon à nous apporter. Mais moi, je suis en mode, genre, je pense pas être parfait, je pense pas avoir tout compris parfaitement qui est Dieu, et il serait parfois possible que quelqu'un de non chrétien m'éclaire sur un angle mort dans ma théologie ou dans ma façon de croire. Moi, l'exemple que j'ai, qui est très politique, c'est Karl Marx, quand il dit la religion est l'opium du peuple. alors on peut contester, on peut réfléchir, ça nous amène au moins à nous poser la question. Ouais, c'est vrai, en fait, ok, d'accord, on prêche aux gens le contentement, on prêche aux gens qu'il y aura qu'un jour le royaume de Dieu qui va, tu vois, le paradis, le ciel, ok, d'accord, tu vois. Mais derrière, en fait, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de justifier les injustices et de pousser les gens à pas remettre en question les injustices qui sont là maintenant sous prétexte qu'il y aura une société juste qui viendra plus tard, tu vois, et que moi personnellement, Karl Marx, il est pas chrétien, et moi ça m'interroge sur ma théorie, c'est vrai en fait, tu vois. Et le problème, c'est que c'est mondain, donc je dois rejeter, quoi. Et donc, tu vois. Et il y a David qui réagissait, je pense, à ce que tu disais, Paul. Je trouve ça bizarre le rap chrétien, comme si on avait besoin de nous conformer pour attirer. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? En quoi un style musical est plus à même d'attirer ou pas, en fait? Enfin, je veux dire, moi, si je vais en Angleterre pour faire de l'évangélisation, je vais pas parler français, je vais parler anglais. Et au monde anglais, Paul. Comment? Tu vas te conformer au monde. Tu devrais leur parler de latin. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive toujours à ce. Mais par exemple, la musique, clairement, c'est un langage. Si je vais évangéliser, mais si j'amène, je sais pas quel groupe, si j'amène EXO au milieu du 9-3 pour faire de l'évangélisation, EXO, ça peut très bien marcher dans le monde catholique ou dans des mondes tradis, mais si je l'emmène au milieu du 9-3, ils vont me regarder avec des grands yeux en disant, mais tu nous fais quoi là avec tes chants, non, tu vois, enfin, il y a un moment, tu faut aussi s'adapter au langage des personnes que tu cibles, en fait, et puis... le rap, alors oui, on va dire oui, mais le rap, moi je me souviens d'une vidéo, j'ai commenté d'ailleurs la vidéo, c'est le frère Gaillard, attends, c'est ça, c'est un frère assez âgé qui fait des vidéos,
il a des milliers de vues, c'est, d'ailleurs c'est super impressionnant. Mais et en fait, il dit pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire du rap chrétien ? Puis il dit, bah, en fait, le rap, c'est un message de violence, c'est un message. Il utilise un rythme particulier pour influencer, pour qui est négatif, qui est mauvais, tout ça. Puis en fait, je dis, mais non, enfin, encore une fois, c'est de la musique, c'est-à-dire que c'est une composition musicale. Après, derrière, tu mets le message que tu veux. Alors oui, c'est un... c'est un style contestataire. Et puis en tant que chrétien, si tu veux avoir un regard un peu pertinent sur le monde, ben. Et que tu ne veux pas te conformer au monde, rap est un très bon outil pour montrer aussi tout ce qui ne va pas dans notre société. Ça me fait penser, ça me met une des postes. Il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais il faut surtout mettre contestataire dans tout. Bref, pardon. Mais c'est tout le paradoxe. Pour moi, c'est encore une fois, hein, c'est par exemple, un pistolet, ça ne tue personne. Hein. Une mitraillette, ça ne tue personne. Hein. C'est souvent le bonhomme qui l'utilise hein, qui tue la personne. J'aime bien prendre l'exemple du marteau. Un marteau sur un coup, c'est vachement pratique. Un marteau sur un pied, ça fait super mal. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, tu utilises le rap pour faire passer de la haine. Et bah oui, effectivement, bah, c'est pas terrible. Tu utilises le rap pour faire passer le message de Jésus-Christ mort à la croix pour tes péchés. Bah, et gloire à Dieu. Hein. Okay, attends, parce que pour moi, il y a aussi. Parce qu'on parle dans l'évangélisation, de l'art dans l'évangélisation, mais en même temps, c'est aussi. C'est un moyen d'expression, tout simplement, quoi. C'est ça. Et puis, des chrétiens qui ont envie d'exprimer leur foi, et il y a certains qui ont des gens qui ont envie d'exprimer par l'art, et il y a des gens qui aiment pas, bah, qui se reconnaissent dans le mode d'expression, mais les gens qui se reconnaissent dans une langue particulière, tu vois. Moi, je peux comprendre, moi, j'aurais du mal à prier autrement qu'en français, quoi. Tu vois, en anglais, c'est compliqué, quoi. C'est pas ce qui vient naturellement. Mais les gens, ils ont une culture hip-hop, et ben, ce qui leur vient naturellement comme expression artistique, c'est tout ce qui est issu du hip-hop, quoi. Moi, je rejoins que le rap chrétien, c'est bizarre, mais je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas assez, qu'on ne lui donne pas assez de moyens. Oui, parce que ça n'est pas à notre liturgie, donc forcément, ça a une place minoritaire. C'est aussi si tu veux que des œuvres apparaissent, des artistes, il t'en faut pas trois qui sortent trois œuvres, il t'en faut 3 millions qui sortent 3 millions d'œuvres, dont seulement trois sont bonnes. Il faut aussi la loi des grands nombres. Je vais rebondir sur ce que disait Nathanaël, qui disait est-ce qu'on ne devrait pas évangéliser par exemple et laisser la musique à la prière? J'ai du mal avec les groupes de pop louange comme Glorious parce que les musiques ne sont pas adaptées à l'évangélisation ni à la prière. Avoir mixé les deux, on n'arrive à rien. Je sais pas, alors, je connais pas bien Glorious, enfin, moi je les ai une fois. Moi, ce qui m'avait marqué avec Glorious, c'était parce que c'est un groupe de musique catholique, en fait. C'est des catholiques qui font de la musique un peu pop. Je connais pas bien les paroles, mais ce serait intéressant d'avoir ta définition de la prière, Nathanaël, en fait. Et moi, surtout, est-ce qu'une musique chrétienne devrait forcément être soit pour l'évangélisation, soit pour de la prière? Tu sais, je me dis, c'est un peu comme tout à l'heure, je sais pas, c'est un moyen d'expression. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai l'air d'avoir fait un texte une fois. Genre, j'avais posé un peu tout ce que j'avais envie de poser, c'était un peu ma façon de m'exprimer. Je sais pas si c'était ni une prière, quoi que ça dépend ce qu'on dirait comme prière, encore une fois, ni ça n'avait pas but non plus d'évangélisation. Et pour autant, c'était un texte que j'avais posé là, et c'était une forme d'art, on pourrait dire comme ça. Je sais pas, juste qu'un artiste chrétien, qui écrive une chanson, qui soit ni forcément l'évangélisation parce qu'il parle pas directement de Dieu ou parce que c'est plus il va défendre une valeur, il va défendre un point de vue, il va défendre une opinion sur la société. Parce que c'est forcément une nécessité que ce soit forcément l'évangélisation ou de la prière. D'ailleurs, je sais pas, mais dans le milieu évangélique, il y a une obsession pour l'évangélisation. Et personnellement, c'est une obsession dans laquelle je me reconnais absolument pas. Bah sinon, comme les rappeurs chrétiens, on a Kanye West. Oui, c'est ça. Mais... Okay. Et c'est même présenté aux élections présidentielles américaines. Je crois qu'il a fait 0,... Il y a quand même pas mal de gens qui disent qu'ils risquent pas grand-chose en termes de rap chrétien. Bon, il y en a quand même qui existent, quoi. Le problème, c'est qu'ils sont fauchés, quoi, souvent. Mais je connais, il y a Mick, je crois. Il y a Manu Boulemic. Manu Boulemic, alors ça, c'est... Et quoi c'est tout ce que je connais, ouais. Mais... Il y a... Ouais. Il y a Zafi Mami qui dit « La musique est avant tout un outil, elle n'est mauvaise que par rapport au message que l'on véhicule au travers. » Bah oui, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Sur ça, je suis d'accord.
Il y a Nathalie qui continue, qui dit « Après, le rap, du rap chrétien qui utilise les écritures pour faire passer un message, pourquoi pas un rap chrétien qui utilise le rap comme un support pour le jeu, ça me pose un peu plus de problèmes. » Et pourquoi ça te pose de problèmes? Ouais. Alors, il répond aussi à Glorious. Bon, en fait, Glorious, par exemple, fait des chansons où ils reprennent des termes de prière comme « Nous te prions, sois béni », etc. Et ça, c'est typiquement ce qui peut servir de prière, le problème. Et c'est quoi le problème de prier en musique? Le problème, c'est que c'est pas adapté à la prière sincère dirigée vers Dieu. Et pourquoi c'est pas adapté à la prière sincère dirigée vers Dieu? C'est pas sincère si je le chante? Quand je chante une chanson d'amour, si je lui écris une chanson, bon, moi, c'est pas pour mon genre de composer, mais les gens, ça peut être leur mode d'expression. Tu vois, si tu composes une chanson et que c'est moi qui la chante, on peut dire que c'est pas moi qui l'ai déjà composée avant. Bah, si, tu peux t'investir dans le genre. Moi, bah, pour le coup, moi, ça peut m'arriver de chanter des chansons, tu vas te dire que j'ai pas écrites, tu vois. J'ai jamais vu ça. Tu me caches des trucs, Emile. Pas à toi. Oui, je me doute. Je savais pas. Je savais pas ce côté-là. Mais ouais. Oui, c'est ça. En plus, il y a Raphaël qui dit que le rapport des catholiques à la prière est différent de nous. Mais en plus, tu vois. Et en plus, moi, je me dis. Enfin, moi, pareil. Je suis pas trop forcément. Moi, je suis pas trop comme ça. Enfin, quoique. Mais je sais pas. C'est un beau texte qui a été bien écrit. À quel point je peux pas réussir à m'identifier, à me laisser porter par ce texte-là, pour des fois mettre des mots sur ce que je ressens. Mais c'est tout le principe pour moi de l'art. C'est-à-dire que tu écoutes des chants et en fait tu t'appropries les paroles. Je sais pas, quand tu chantes, quand tu écoutes une chanson par exemple, qui parle d'une histoire de rupture, tu vois, ben en fait ce que tu projettes dans la chanson, tu te dis pas ah c'est triste ce qu'il a vécu, c'est que tu projettes toi-même ta propre histoire dessus, tes propres expériences et tout. Et c'est justement cette connexion qui crée l'émotion, tu vois ce que je veux dire, qui fait que tu es, tu vois, entre ton vécu et celui de, tu vois.